un petit matin comme tu les aimes. Enfin, comme on les aimait, quoi. Les filles sortent du lido, tiens. Pareil qu'avant. Tu te souviens, c'est à cette heure-là qu'on l'emballait. Un jour, on m'avait dit qu'il mourrait dans son lit, celui-là. Das Leben eines Mannes zwischen Himmel und Erde vergeht wie der Sprung eines jungen weißen Pferdes über einen Graben. Ein Blitz. Und es ist vorbei. Schien, quatrième siècle avant Jésus Christ. On naît, on vit. On trépasse. C'est comme ça pour tout le monde. Pas forcément. Enfin, je veux dire, on meurt pas forcément dans son lit. Ben voyons. Et on, je tiens plus en l'air, moi. T'aurais pas une bricole à grignoter, là? Bien sûr. C'est à toi, ça? Tiens-toi. Il y a 20 piges, le Mexicain, tout le monde l'aurait donné à 100 contre 1, flingué à la surprise. Mais cet homme-là, ce qu'il a sauvé, c'est sa psychologie. Tout le monde n'est pas forcément aussi doué. La psychologie, il n'y en a qu'une. Des fois, il est le premier. C'est un peu sommaire, mais ça peut être efficace. Et le Mexicain, ça a été une épée, un cadeau. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Seulement, il faut bien reconnaître qu'il avait décliné. Surtout de la tête. C'est vrai que sur la fin, il disait un peu n'importe quoi. Il avait comme des vapes, des caprices d'enfant. Merci, Henri. Enfin, toi qui as causé en dernier, t'as sûrement remarqué. Remarqué quoi? T'as quand même pas pris au sérieux cette histoire de succession. Quoi, fallait pas? Ben, j'ai eu tort.